Bonjour, rien ne va plus aujourd'hui sur ce nouvel itinéraire. Je suis parti quasiment sans ma tête et surtout sans ma casquette et sans mon plan. Heureusement, je suis ici au domaine de la Palissade et à l'entrée à l'accueil, on nous vend des petits topos explicatifs avec un plan au dos, ce qui va me permettre de vous amener à la découverte de ce site sans me perdre. Allez, c'est parti. Alors la Palissade, c'est quoi ? C'est un domaine qui est géré en fait par le conservatoire du littoral, qui est ouvert aux visiteurs, nonobstant quelques réglementations d'usage qui sont assez habituelles d'autres parcs ou d'autres réserves, comme ne pas quitter les sentiers, pas ramasser les scies. Enfin bon, se tenir à carreau quand même, ce qui est normal. On est dans un milieu qui est fragile. Et l'avantage de ce domaine de la Palissade, qui, précisons-le, n'est pas une réserve ornithologique, ni de faune, ni de flore, hein. C'est juste un endroit protégé où le visiteur peut admirer l'ensemble des milieux caractéristiques de la Camargue. Je fais le choix de m'engager sur la boucle de la Palune, la plus longue, qui permet en environ 3h30 d'effectuer le tour complet du domaine. Alors au cours de la première partie de cette promenade, on traverse un des milieux les plus caractéristiques de la Camargue, autrement dit la Sansouire, cette vaste prairie recouverte majoritairement de salicorne, voilà, qui s'adapte sur des terrains extrêmement salés et qui l'hiver, comme bientôt ici, et ce n'est que le commencement, est en grande partie inondée, comme on peut le découvrir ici même. Alors juste de l'autre côté de moi là-bas, bah c'est le Rhône cette fois, le Grand Rhône. On était hier au Petit Rhône au niveau du Grand Radeau. Et là on a fait plusieurs dizaines de kilomètres plus à l'est de la Camargue. Et juste là-bas, et bah c'est le Grand Rhône. Alors je sais pas si l'itinéraire s'en rapproche un petit peu ou pas. On verra ça par la suite. Au fur et à mesure de ma progression, la Sansouire fait place à la Jonchée, puis à la Roselière, tandis que l'eau et la boue envahissent de plus en plus les sentiers. Bon, je crois qu'on va faire comme ça. On va prendre un petit bain de boue. C'est bon pour la peau, il paraît. J'arrive finalement sur les rives de la Grande Palune. Voilà, alors, à cet endroit, le sentier fait une impasse et vient buter contre l'énorme lagune qui s'appelle la Grande Palune, qui est une des dernières lagunes naturelles de Provence, d'une superficie assez vaste puisqu'elle couvre quasiment 200 hectares. Après avoir fait demi-tour, je me dirige vers l'étang de la Sableuse, bien décidé à observer quelques spécimens d'oiseaux. Ouah, trop fort. Excellent. On va essayer de ne pas faire de bruit. Peut-être qu'on va réussir à voir des oiseaux là. Forcément.
là-bas. Sur l'étang. Bon bah pas très concluant cet affût cabane. Pas grand chose quand même qui se balade dans les environs. Il y a une autre cabane sur le parcours. On fera un petit arrêt aussi, on aura peut-être un petit peu plus de chance. De l'étang de Sableuse à celui de Basse-Claire, je dois encore une fois enlever les sandales pour pouvoir progresser. C'est reparti. Ça glisse en plus, quoi. Putain, là en plus, on est en territoire ennemi, quoi. Attention. Paye ton moustique. Voilà, on en est ici. On vient déjà de faire tout ça. Tout ça. À cette époque de l'année, les oiseaux se font discrets et c'est sans grande conviction que je tente ma chance au second poste d'observation. Bon, j'espère qu'on va avoir un peu plus de chance que tout à l'heure, mais c'est vrai que le secteur est vachement calme. Au final, seule une mouette acceptera de poser quelques secondes pour la caméra de carnet de rando. Bon, on peut pas dire franchement que la moisson d'images d'oiseaux ait été fructueuse. Les étangs sont plutôt déserts, donc on va se contenter de ce qu'on a et retourner vers le point de départ. Mauvais moment et peut-être aussi mauvaise heure. Tant pis pour moi. Et voilà, c'est la fin de ce reportage à la Palissade, ainsi que de la partie de l'émission consacrée à la Camargue. J'espère que tous ces reportages vous auront plu et vous auront donné envie d'aller la découvrir. Toutes les informations justement concernant ces itinéraires, ainsi que les infos pratiques pour vous rendre en Camargue, vous les trouverez bien sûr sur mon site www.davidgenestal.com, rubrique carnet de rando. Tout de suite, changement de décor. Dans le prochain reportage, nous partons en Isère, dans le Vercors, où j'ai rencontré Régis Kahn, président de l'association Ski de Randonnée Nordique, à travers un itinéraire qui va nous mener au sommet de Tête Chevalière, dans la réserve naturelle des Hauts Plateaux. A tout de suite.